Il est 13h à Korogo, à la sortie de la ville, l'université Pelfrogon Koulibaly. Au sortir du déjeuner servi au restaurant universitaire, les étudiants convergent vers le tableau d'affichage à l'entrée de la cité universitaire. Une agglutination qui traduit la fin d'une longue attente. Pour les uns, le bonheur de bénéficier pour la première fois d'une chambre et pour les autres, la joie d'avoir réussi sa réadmission en résidence universitaire. J'ai été réadmise en cité universitaire, donc je pourrais maintenant aller à l'école en toute sécurité et arriver à l'heure. Il y avait quelques petits réglages à faire au sein de la cité, des petits réaménagements, des réhabilitations à refaire. Et l'essentiel a été fait pour que les étudiants rentrent dans de très bonnes conditions. Pendant près d'un mois et demi, les chambres à la cité universitaire de Korogo ont été vidées de leurs occupants pour travaux. C'était pendant la période de septembre 2021, à la faveur des vacances universitaires jusqu'à la date du 20 novembre 2021. Une date mémorable en ce qu'elle marque la réouverture officielle de la résidence universitaire et le retour des étudiants dans leurs chambres respectives. Pour bien faire les choses et jouer la carte de la transparence, la direction du CROU de Korogo, le Centre régional des œuvres universitaires et la présidence de l'université Pelfrogon Koulibaly se sont accordés pour que la liste des étudiants admis en cité universitaire soit rendue publique le jour même de son ouverture officielle. Les étudiants confessent que c'était dur, très dur, la vie hors cité universitaire. La rentrée solennelle était le cadre pour exhorter les étudiants à proscrire la violence et les engager au civisme et à leur responsabilité. On va tout simplement respecter le règlement intérieur de la cité. On pense qu'avec ça, tout va bien se passer. Le règlement intérieur nous demande de ne pas utiliser les appareils électroménagers. Voilà, des appareils qui consomment un peu trop le courant et puis de ne pas aussi laisser l'eau couler à flot. Il y a des étudiants qui sont quittés depuis Abidjan, Abasso, Yamoussoukro. Et lorsqu'ils viennent ici, nous formons une famille. Donc ce n'est pas la peine de s'en déchirer entre nous. Donc nous, en tant que responsables des structures, nous avons bien voulu contacter ces étudiants-là pour vivre dans l'harmonie, dans la paix et dans la gaieté. Les étudiants, dont une première vague a commencé à intégrer la cité, sont fortement attendus pour ce qui est de leur comportement en cité et leur rapport avec les syndicats en présence. Si on les plaint d'être inféodés à des clans, on leur reproche surtout d'être les auteurs de la dégradation des équipements de les différentes résidences, les chambres et les toilettes notamment. Et cela justifie en partie la décision du CROU de vider les chambres pour travaux et par condescendance, le restaurant universitaire resté ouvert pour le temps qu'ont duré les travaux. Sur décision du directeur du CROU de Korogo. On met la faute sur tout le monde. Or, ce n'est pas tout le monde qui est fauti. Il y a un groupe d'étudiants qui ne sont pas assez responsables. Voilà, je ne vais pas dire le nom, mais qui ont plus ou moins fait des dégâts ici en cité. Donc, ils ont remis la faute sur tout le monde, sachant que ce n'est pas tout le monde qui était fauteur de trop. Nous sommes très heureux de revenir dans notre chambre. L'année passée, même nous étions obligés de faire partie au moins 50 de la cité. Nous avons été félicités par le grand nombre d'étudiants. Ces éléments que nous avons fait sortir sont des éléments qui n'ont même pas validé de l'année. À l'université Pelfrogon Koulibaly de Korogo, environ 3000 places sont servies par jour, midi et soir, au restaurant universitaire et le responsable, sous instruction du directeur général du CROU, met un point d'honneur que cette rentrée solennelle du CROU a proposé un menu varié, de plein de qualité et en quantité suffisante pour satisfaire l'appétit des étudiants. Face à une population universitaire de plus de 11 000 étudiants, le CROU envisage d'augmenter de moitié l'offre alimentaire face à une demande de plus en plus forte. Idem pour l'hébergement, la capacité d'accueil est à ce jour de 1195 lits pour 95 chambres réparties dans 6 bâtiments. À chaque session de rentrée, c'est toujours un casse-tête pour la commission d'hébergement. Nous avons 1140 lits, mais actuellement nous avons près de 2000 demandes. On va faire tout pour les loger. Maintenant, ceux qui n'ont pas pu avoir un logement, nous avons peut-être des petits locaux en ville qui vont être occupés de façon privée, voilà, pour que tout le monde soit logé. Ce qui nous importe, c'est surtout la sécurité des étudiants. Avec le nom Pelfrogon Koulibaly qui incarne la sagesse, il faut que quand vous arrivez ici, il faut que vous soyez sage, travailleur. La fermeture de la cité universitaire de Korogo puis sa réouverture participe de la stratégie managériale du directeur général du Centre régional des œuvres universitaires de Korogo. L'action s'inscrit dans une démarche de positionnement
de l'université Pelafrogon-Koulibaly comme centre d'excellence régional d'ici à 2025. Les étudiants, par les valeurs qu'ils sont appelés à incarner, autant que l'offre académique, sont des inducteurs de ce positionnement. Et c'est cet engagement que veut prendre le CRO de Korogo.